Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette foire aux questions, ce beau mercredi 20 mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à discuter chiffon et que vous êtes prêts à découvrir cette belle guitare mystère que j'ai avec moi. Voilà, je vous montre le haut de la guitare. Ça devrait déjà vous donner pas mal d'indications et je vous la montre tout en entier. Regardez-moi ça. Cette magnifique guitare, voilà, j'essaie de vous la faire rentrer tout bien comme il faut dans le cadre. Il s'agit d'une guitare de chez My Dream Partcaster. Voilà, les plus observateurs d'entre vous remarqueront qu'elle n'a que 5 cordes au lieu de 6. Et pourquoi ? Bah pour la bonne et simple raison que c'est une réplica de la fameuse guitare, la vieille Telecaster de Keith Richards, qu'il a surnommée Mick Ober. Voilà, il suffit de faire un coup de Google sur les internets. Vous tapez Mick Ober, Keith Richards et vous tombez forcément voilà, sur les photos légendaires de cette guitare qui a été répliquée en long, en large et en travers. Et My Dream Partcaster ont fait un très beau boulot avec cette guitare parce que donc on a la guitare en butterscotch, on a le chevalet en laiton avec 5 cordes et donc le 6e pontet est retiré, on a le humbucker monté à l'envers. Et on a aussi le switch tip ici qui n'est pas un switch tip de Telecaster mais bien de Strat et blanc, voilà. Et dernier petit détail, les mécaniques comme sur la Telecaster modifiée de Keith Richards sont des Sperzel, voilà. Donc voilà, là clairement on s'y croirait. Le résultat est quand même très très bluffant, voilà, elle est vraiment très très chouette. Donc sans plus attendre, je me propose de vous faire un petit peu de son avec ça, pour vous faire écouter un peu bah, ce qu'on peut faire avec ce genre d'instrument, donc qui est accordé en open de sol, on y reviendra sûrement. C'est parti. C'est pas extraordinaire ça, l'open de sol. Voilà, 5 cordes, un doigt, et puis on met les deux autres doigts en opposition comme ça pour faire la modulation. Et puis roulez jeunesse, tout d'un coup vous avez 80% du catalogue des Rolling Stones sous vos doigts. Je précise qu'au niveau du son, la guitare est branchée directement dans le V-Twin. J'ai mis un petit peu de reverb stéréo histoire que vous ayez un peu d'espace stéréo entre les oreilles. Et il y a juste un slapback, l'Echo Baby, voilà, qui est branché. Voilà, tout le son que vous entendez, c'est le son de cette chouette Telecaster. Voilà. Allez, on s'en refait encore un petit bout. Peut-être avec un autre riff des Rolling Stones, là. Allez, on va se mettre comme ça et on va voir ce que ça donne là sur le micro grave. C'est parti. Thank you.
prend pas directement pour Keith Richards quand on a une guitare comme ça, une Telecaster montée en open de sol. Voilà, je pourrais passer toute la FAQ en train de vous défiler les riffs des Rolling Stones que je connais comme ça. Et c'est vraiment un méchant kiff. Et ça a l'air tout bête hein, d'avoir viré la sixième corde, mais en fait, ça change complètement la manière dont on aborde la guitare. J'avais déjà fait des essais d'open de sol comme ça sur une Telecaster, sur ma Rittenhouse, que vous connaissez ici sur la chaîne guitare. Mais c'est la première fois que je teste comme ça sur une guitare et ça marche super bien. Keith Richards le fait depuis des dizaines et des dizaines d'années et il a bien raison. Donc avant qu'on passe aux nouvelles de la semaine, on peut aller jeter un petit coup d'œil sur le site de My Dream Partcaster. Voilà, je vous en avais présenté une la semaine dernière. Et ben cette fois c'est sa petite sœur, voilà, elle s'appelle Micober Dreams Sister. Voilà, vous avez toutes les specs qui sont ici. Alors sur la photo, elle est indiquée, elle est montée avec les six pontets, et là bien sûr Pierre me l'a amené avec en configuration full Keith Richards. Et à noter qu'elle est équipée de micros Q pickups qui sont des micros croates que je connaissais pas, que je connaissais que de nom. Voilà, c'est leur site qpickups.com et ça sonne super bien. Encore une fois hein, je vous le rappelle, là le son que vous venez d'entendre, c'était la guitare directe dans le V-Twin avec juste le slapback. Je peux vous la faire entendre en retirant le slapback. Tiens, ça nous donne quelque chose comme ça, sans le slapback cette fois. Des heures et des heures de plaisir avec 5 cordes. Comme quoi, on pourrait passer comme ça des années, on passe des années et des années à essayer de maîtriser la guitare à 6 cordes, alors qu'en fait, avec un open et puis 5 cordes, voilà, on peut passer des soirées formidables. Et puis, il y en a qui ont fait des carrières entières avec ça. Voilà, donc c'est une guitare qui est ici au showroom. J'en ai enregistré cet après-midi un test complet, donc vous aurez l'occasion de la réécouter dans tous les sens. Et j'ai aussi massacré d'autres riffs des Rolling Stones, bien sûr. Je dis bonsoir à Christine qui est là, salut Stéphane, bonsoir à Pierre Hugues Lost, une télé en open de sol, un slapback et un Kelt, what else, voilà exactement, c'est une recette qui fonctionne effectivement très bien. Salut Stéphane, salut Pierre, grand fan d'ampli Kelt aussi Pierre, voilà, bah, je crois que j'ai dit bonsoir à tout le monde. Voilà, donc vraiment sympa, cette guitare, un vrai bonheur. Voilà, donc Micober, le reliquage est vraiment cool et très 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 bien fait. Et si vous posez la question de où est-ce que vient le nom de Micober, voilà, je vous l'apprends, peut-être que vous le saviez déjà, mais c'est un personnage de Dickens qui s'appelle Wilkins Micober. Et alors pourquoi Keith Richards a choisi Micober, je ne sais pas, j'ai jamais lu du Dickens, donc je ne peux pas vous aider. Mais en tout cas, ça vient de là. Voilà, j'espère que vous avez passé une super semaine, que vous êtes prêts à discuter chiffon, que vous m'avez peut-être préparé quelques petites questions. On va évidemment parler du cataclysme qui est arrivé la semaine dernière avec la disparition de Sylvain Luc, voilà, que j'avais eu le plaisir de recevoir au showroom il n'y a pas très longtemps, là, en 2020, pour la sortie de son avant-dernier album. Et ça a été vraiment un séisme, hein. C'est un musicien
révéré par beaucoup de musiciens. Moi, ça fait donc en 2009, j'ai commencé la chaîne guitare. C'est depuis 2013 que je fais ça à temps plein. Et j'avais toujours été, avant de le rencontrer, ça a été le cas en 2015 pour la première fois, avant de le rencontrer, je connaissais déjà un peu son nom, mais j'avais été frappé du nombre de guitaristes qui, dans les références qu'il citait, parlaient de Sylvain Luc. Donc c'est une perte vraiment incommensurable. Évidemment, on meurt toujours beaucoup trop jeune, mais là, 58 ans, c'est quand même terrible. Donc pour lui rendre hommage, j'ai écrit cet article. Voilà, c'est pas vraiment un hommage très compliqué. J'ai republié ce magnifique morceau qu'il avait enregistré en une prise quand il était venu ici faire l'interview. Ça s'appelle Boléro Langoureux. Donc je l'ai uploadé à nouveau aussi sur Facebook, où ça fait je sais plus, pas loin de 400 ou 500 partages, plein de vues. Il y a eu 10 000 vues aussi sur YouTube. Donc voilà, je pense que au-delà de la tristesse qu'on peut avoir, moi vraiment ça m'a mis un coup. Je pense que Sylvain Luc aurait aimé qu'on se souvienne de lui de par sa musique. Donc voilà, si vous le connaissez pas, il est jamais trop tard. Faut bien reconnaître que ça arrive quand même très souvent que quand quelqu'un disparaît, on se dit ah bah tiens, je vais aller écouter. Voilà, c'est un réflexe naturel. Surtout avec Sylvain Luc, ne vous privez pas, parce qu'il a une discographie très 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 détaillée et très 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 complète. Il y a beaucoup de gens qui parlaient de cet album mythique qui s'appelle Duet avec Biréli Lagrène, avec qui il jouait depuis 25 ans. Il y a aussi des albums solo. Moi, je l'ai découvert un peu plus en détail, justement, quand il est venu ici au showroom pour parler de cet album qui s'appelle qu'il avait fait avec Renaud Létang, que moi, j'avais beaucoup aimé, qui était franchement un vrai plaisir. Et du coup, j'ai écrit un autre article. Voilà, avec une autre photo de Sylvain, voilà, avec sa Godin 5e avenue. Une petite anecdote d'ailleurs qui m'a frappé quand Sylvain était venu ici, c'est que des guitaristes, j'en ai fait un peu plus de 1000 en interview, donc j'en ai fait énormément. Et Sylvain, c'était la seule personne avec qui j'ai eu cette impression-là, où il s'assoit à côté de vous, il sort la guitare, il joue. Et les premières notes qu'il joue, c'est de la musique. Voilà. C'est pas prank, tiens, je suis en train de m'échauffer, voilà. Non, c'est une sorte de robinet qu'on ouvre, et puis hop, la musique coulait de lui comme ça. Et vraiment, jamais j'ai eu cette impression avec d'autres musiciens. Et Dieu sait si j'ai eu le plaisir, l'honneur de rencontrer des musiciens incroyables, mais en général, ils ont toujours besoin une petite patte de chauffe, ne serait-ce que pour s'accorder, faire un réglage, etc. Voilà, Sylvain, lui, il était à fond tout le temps, et c'est assez phénoménal, quoi. Donc j'ai regroupé dans cet article les diverses fois où j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Donc c'était de 2016, pardon, à 2021, pas 2016, pas 2015, de 2016. La toute première fois, curieusement, c'était à Montréal, lors du festival de jazz. Il était avec Richard Galliano, il faisait un hommage à Édith Piaf. Voilà, donc moi j'étais tout intimidé de le rencontrer. On n'avait pas eu beaucoup de temps, donc ça avait été assez court, mais ça avait été une chouette rencontre. Je l'avais rencontré l'année d'après à Issoudun. Là, c'était la première fois que je le faisais en interview guitare à la main. Donc moi je balisais un petit peu, parce que Sylvain Luc, c'est Sylvain Luc, quoi, voilà. Et ça avait été un chouette moment. Tiens, on va s'en écouter un petit bout, tiens, de cette vidéo d'ailleurs. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une interview exceptionnelle, puisque je suis avec the one and only Sylvain Luc à Issoudun. Sylvain Luc à Issoudun, comment est-ce qu'il va bien? Je crois que est-ce qu'il va bien? Il va bien. Ouais. Oui, toi aussi? Ah, moi, très bien, en particulier quand je suis à côté de toi, bien sûr. Hein. Ça me fait plaisir, tu vois. La dernière fois qu'on avait fait une interview ensemble, c'était à Montréal, donc c'était pas cette année, c'était l'année de...
Voilà, donc là, on est reparti à commencer à échanger des souvenirs, etc. Ça a été une interview hyper agréable. Voilà, il était là, il était à Issoudun avec Marylis Floride, donc sa femme, il jouait en concert le soir. Donc Marylis Floride, qui est une concertiste classique de super haut niveau. Voilà, donc c'était délicieux. Donc ça, c'était en 2000, qu'est-ce que je vous dis, en 2017 à Issoudun. On continue, on avance un peu dans le temps. 2019, alors cette fois c'était aussi exceptionnel puisque voilà, je vous parlais de Marylis Floride, donc cette fois c'était sur la scène du studio Marigny, qui est un petit théâtre sur les Champs-Élysées, et donc j'ai fait une interview avec les deux en même temps, quoi, et les deux en même temps guitare allemande. Allez, on s'en écoute un petit bout parce que c'est trop bon. Oups, ça c'est un peu fort, pardon. Magnifique déjà là. Hein. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une interview exceptionnelle puisque voilà, je suis entre deux incroyables musiciens. Marylis Floride à ma gauche, comment est-ce que ça va déjà? Eh bien comme une avant-concert, ouais. Enfin un avant-concert d'ailleurs. D'accord. Voilà, un petit peu la pression et en même temps on est content et puis voilà, les deux. Les deux, et puis à droite, donc Sylvain Luc, ça fait la troisième fois qu'on se rencontre, en tout cas devant les caméras. La première fois, c'était à Montréal en 2015 et à Issoudun en 2017. Comment est-ce que ça va, Sylvain? Ça va bien, ça va vraiment bien depuis... C'est vrai qu'on ne s'en lasse pas, moi non. C'est vrai? Ouais. Une fois Montréal, une fois Issoudun, une fois Paris, c'est pas mal. Hein. Ouais. On s'en tire bien. Voilà, je vous laisse évidemment regarder cette interview pour ceux qui sont abonnés, parce que c'est du contenu qui est réservé aux abonnés et qui était très très bien. Et je m'excuse de dire que mon interview était très bien, mais ils avaient sorti un album qui s'appelait D'une rive à l'autre, et où ils mélangeaient un peu leurs deux univers, l'univers plus guitare classique de Marylis avec l'univers plus jazz improvisation de Sylvain Luc. Donc magnifique. Voilà, après, évidemment, on s'est coltiné le confinement, donc j'avais demandé à Sylvain s'il était partant de faire une interview pendant le confinement, donc il était confiné à Marseille, là où il habitait avec Marylis, donc on a fait une interview, et enfin, la dernière fois, c'était voilà, quand il est venu ici en 2021 pour parler de ce magnifique album, que moi qui m'a beaucoup plu, ou qui est plus électrique, avec des effets, etc., et où il avait enregistré Boléro Langoureux, donc... Là encore, magnifique souvenir pour moi. Ça a été, je me rappelle encore, c'était tout début 2021, je crois, en février, il me semble. Et il était resté donc un long moment parce que l'interview complète dure, je sais plus, trois quarts d'heure, quelque chose comme ça. Puis après, on avait fait la session, puis on avait pas mal discuté. Et quand il a fini par partir, je me suis dit, mais quelle chance incroyable, quoi, de pouvoir avoir Sylvain Luc juste pour moi tout seul. Et en l'occurrence, après, pour être capable de vous proposer cette interview par la suite, quoi. Et c'est là où ça m'avait frappé à quel point il prend une guitare, il joue et il fait de la musique, quoi. Voilà, il avait ce niveau d'exigence, en tout cas de qualité dans son jeu. C'est un peu comme si quand quelqu'un se met à parler, tout de suite c'est passionnant ce qu'il dit. Et Sylvain Luc à la guitare, c'est exactement ça. Dès qu'il prend la guitare, c'est passionnant. C'est pas toujours super facile parce que c'était un improvisateur incroyable. Là, depuis sa disparition, il y a eu plein de témoignages à ce sujet de gens qui disent, moi je me rappelle quand j'ai rencontré Sylvain ou quand il
est venu poser un solo sur mon album, ou quand on a fait des tournées, etc. Enfin bon, et Dieu sait s'il y a beaucoup de... Il a collaboré avec beaucoup de grands musiciens, que ce soit en France ou à l'étranger, et donc des gens de gros calibre, et qui, encore une fois, mettaient quasiment un genou à terre en termes de respect par rapport à Sylvain Luc. Donc voilà, encore une fois, la meilleure chose qu'on peut faire, je pense, hein, pour l'héritage, pour la suite, pour la postérité, bah, c'est d'aller encore plus écouter Sylvain Luc, de s'inspirer de ce qu'il a pu nous dire dans les interviews, que ce soit celle de votre serviteur ou celle que vous pouvez trouver ailleurs, j'en bafouille. Regardez aussi, il y a pas mal de masterclass qui sont disponibles de lui sur Internet, donc même si vous vous dites « Ouais, tain, des fois j'ai regardé des images, bon, c'est un peu perché », alors oui, il était capable d'aller très très loin en termes d'improvisation, parce qu'il avait un vocabulaire extrêmement détaillé, mais je trouve qu'il perdait jamais de vue la mélodie et puis les émotions. Voilà, c'est franchement, encore une fois, moi, le jour où il est disparu, ça m'a vraiment mis un choc. Et bon, je l'ai interviewé 5 fois, mais j'étais pas, je faisais pas partie de ses proches, mais à chaque fois qu'on se croisait, ben on se saluait. Je me rappelle encore une anecdote qui me vient à l'esprit. Une fois je le croise, je crois c'était Gare de Lyon, moi j'arrivais ou je repartais, enfin peu importe, il était avec Marie-Lise qui le tirait parce que visiblement ils étaient en retard pour leur train, et donc moi je le crois, je dis ah bonjour Sylvain, comment ça va, etc. Et puis je sais plus comment c'est venu, mais il me sort cette phrase, mais peut-être c'était un autre moment, enfin peu importe, il me sort cette plaisanterie, il me dit chasser le naturiste, il revient au bungalow. Voilà, alors c'est une blague toute bête, mais honnêtement, moi ça me fait toujours rigoler ce genre de vanne, et il avait beaucoup d'humour, hein, vous pourrez sans doute le voir dans les interviews. Alors parfois c'était une sorte de protection d'ailleurs, hein, il sortait beaucoup de plaisanteries, donc pour moi en tant qu'intervieweur, parfois bon, fallait, alors je suis pas le premier, pas le dernier à sortir des blagues, évidemment des plaisanteries, évidemment je me sers même de l'humour beaucoup parfois pour décontracter les gens pendant les interviews, mais c'est parfois une sorte de protection, les gens lancent une sorte de barrage de plaisanteries parce qu'ils veulent, enfin, par pudeur, quoi. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup apprécié le moment qu'on avait passé ensemble ici en 2021, bah parce que on avait eu du temps, quoi. Voilà, ça avait duré, je sais plus, il avait dû rester ici 1h30, 2h, je sais plus, avec l'enregistrement de la session. Et bah ça avait été une chouette rencontre. Je pense qu'il y avait, comme toujours, parce que c'était vrai avec Sylvain, mais c'était vrai avec d'autres aussi, le fait que le lien de confiance était un peu établi, quoi. Il savait comment je fonctionnais, que je prenais du temps avec les gens, je laissais les gens s'exprimer puis raconter leur histoire. C'était pas des choses qu'on ratatinait. Enfin, c'est aussi la vertu du format que je propose sur la chaîne guitare, à savoir des formats longs. Si la personne me parle pendant 3 quarts d'heure, moi je publie une interview de 3 quarts d'heure. J'ai pas d'exigence de format à forcément rentrer dans 2-3 pages ou tout tartiner ça en quelques phrases choc pour faire plus de vues sur YouTube. Et ça, alors tous les musiciens l'apprécient, mais je pense que c'était peut-être encore plus le cas de Sylvain, tellement son univers était riche, qu'il avait de choses à raconter. Et d'ailleurs, il suffit de regarder sa discographie, en fait, hein, pour voir à quel point il avait un parcours qui était franchement incroyable, qui était phénoménal. Donc voilà, adieu Sylvain, merci beaucoup pour toute cette belle musique. Ça a été des moments incroyables, et puis bah Dieu merci, la musique elle est là encore. On enchaîne un petit peu sur des choses un peu plus gaies, voilà, bien que la musique est toujours là, donc c'est toujours gay. J'ai publié tout récemment une interview avec un luthier allemand qui s'appelle Christophe Noé, de On Guitar. J'avais rencontré au Mix, le Mix qui aura lieu d'ailleurs fin avril, où je vais y retourner, la troisième édition du Mix. Et j'aime beaucoup voilà, les formes de guitare très modernes, etc., en respectant quand même des codes bien classiques. Donc ça, c'est Christophe Noé de On Guitars.
J'ai publié aussi cette semaine la deuxième partie de cette chronique pédago avec l'incroyable Théo Cormier qui avait relevé le défi de m'apprendre deux, trois choses à la guitare slide. C'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo « La guitare slide pour les nuls ». Ah, tiens, allez, on s'en met un petit bout tiens, pour voir. Et là, on va parler aussi d'une autre technique après, mais donc là, on a des guitares, enfin standard. Là, il se trouve qu'on est plutôt d'inspiration Gibson, Lucas, ouais. Mais voilà, bizarrement ou pas. Toi, c'est ce format, c'est quoi, c'est le diapason qui te convient mieux pour le slide, parce que c'est un peu plus court que Fender. Y a plusieurs trucs déjà, en fait. Principalement, c'est la puissance de sortie. Ouais. Donc, je trouve qu'il faut quand même des micros qui envoient un peu soit humbucker, soit P90. Ouais. Et après, au niveau du manche, je trouve que le radius, ça joue beaucoup. Ouais. Donc, radius type Gibson. J'adore les humbuckers aussi. C'est juste que là, j'avais des P90 sur celle-là. Et après, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, j'avais acheté une SG avec des humbuckers. Ouais. Voilà, Théo Cormier, excellent musicien qui fait toujours des choses incroyables. Et moi, je suis toujours en train de poursuivre mon apprentissage parfois un peu pénible de la guitare slide, mais ô combien super kiffant. Un autre article que j'ai publié aujourd'hui, c'est un article en accès libre avec une vidéo de Thomas Sarodi. Thomas Sarodi, c'est un abonné de la chaîne Guitare et en tant que tel, il participe, c'est un musicien pro, c'est un abonné de la chaîne Guitare, il participe aux tournées matos très régulièrement et quand il a un coup de foudre sur une pédale, eh bien, il enregistre une vidéo. Voilà, donc, on s'en met un petit bout parce que vous allez écouter, il l'a fait sonner super bien en plus. Hein. On va sauter le... Ah non, on saute pas du tout parce qu'il est en train de jouer derrière. Ça sonne de fou là. Hein. Voilà, en tout cas, je vous encourage à aller regarder sa vidéo. Elle est sur sa chaîne YouTube. Puis moi, j'ai juste relayé dans cet article. Et ça sonne super bien. Alors, ça sonne super bien d'abord parce que Thomas Sarodi, c'est un excellent musicien. Hein. S'il passe en concert parmi pas très loin de chez vous, allez le voir parce que ça défouraille. Et ça sonne très bien parce que c'est une excellente pédale aussi, quoi, qui mélange donc Overdrive et Univibe et le tout revu à la sauce Eventide. Un autre article de cette semaine, c'est avec l'inénarrable Tomo Fujita, qui est un prof, un musicien d'origine japonaise, comme son nom le laisse bien penser, et qui a été le prof de John Mayer pendant quelques temps. John Mayer, d'ailleurs, qui joue à Paris, là, dimanche soir. Et oui, je vais aller le voir, je suis hyper content. Grand merci à Stéphane Bertrand, qui est dans la chatroom, qui m'a décroché des places, donc ça va être bien, bien cool. Et donc, Tomo Fujita, là, on était au NAMM, juste sur les marches du Convention Center là qui est sur notre gauche on a fait une interview et là c'est un extrait de l'interview qui a duré un peu plus de 20 minutes où il parle du conseil qu'il a donné à John Mayer quoi. Et ben on se l'écoute tiens allez qu'est-ce qu'il dit. It is basically thank to you that we have John Mayer like how he is today. Well, I don't really you played a part in that, yeah. Definitely, yeah. You know, my strength of teaching is I make people realize how difficult to play clean and use dynamics, yeah. You know, techniques, but good techniques, yeah. You know. So he got definitely great clean left hand mute technique, picking dynamics, and blues vocabulary. Stick to certain artists, not everybody, so that we always talk about limitation makes you very special. Yeah. If you don't have a limit. Voilà, je vous encourage à aller regarder cette petite vidéo. Voilà, elle fait 1 minute 30. C'est le conseil que John Mayer a reçu de Tomo Fujita. Et c'est hyper intéressant. Voilà. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous cliquez ici. Là, à ce moment-là, par contre, il faudra être abonné. Et là, vous aurez accès donc à l'interview complète avec Tomo Fujita, que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer. Hein. C'était pas la première fois. Mais j'aime beaucoup ce musicien qui est très, très...
dont les vidéos pédagogiques sur YouTube sont très bien faites et bah voilà, qui est bien intéressant quoi. Et puis il continue de former pas mal de gens. Voilà, autre vidéo que j'ai publiée, c'est avec Carl Verheyen. Carl Verheyen, peut-être le nom vous dit pas grand chose parce que c'est pas un musicien hyper connu, mais c'est un musicien qui joue, qui est membre de Supertramp depuis 25 ans, bien que Supertramp tourne plus maintenant parce que je crois que c'est Rick Davies qui a un cancer, je crois. Mais il reste que Carl Verheyen, il a fait énormément de studios, il a accompagné plein de gens. Et là, c'était juste après le NAMM, j'avais pris contact avec lui, puis il avait dit « Ouais, viens à la maison, on va faire une interview guitare à la main ». Et ça a été tellement bien qu'on en a fait deux, enfin plutôt une longue interview que j'ai publiée en deux parties. Et là, c'est la première partie que j'ai publiée et je vous propose de s'en écouter quelques instants. C'est parti. J'adore le petit blues comme ça là. Welcome to the Guitar Channel. I am super happy to welcome you. A new Guitar in Hand interview. I am sitting right next to the one only Carl Verheyen. Carl, how are you doing today? Good. I'm doing well today. Mm-hmm. I had a dentist appointment. Okay. So my breath is very fresh. Excellent. So we are right after the NAMM show. I saw you... Voilà, ça a été, là encore, je radote un peu, mais honnêtement, c'est toujours hyper kiffant pour moi d'aller rencontrer les musiciens chez eux, parce que par définition, ils sont chez eux, donc ils sont peinards, tranquilles, ils sont posés. Et je l'avais vu, comme je commençais à le dire, là, en démo à, lors du NAMM, puisqu'il était en démonstration sur le stand de Bachi, il jouait avec une guitare baritone. C'était vachement bien. Lui, il n'était pas hyper content parce qu'il venait de récupérer la guitare. Enfin bon, il n'était pas hyper à l'aise, voilà. Mais quand un guitariste de ce niveau-là, et pas hyper content, en fait ça reste incroyablement bon. Et donc l'interview voilà chez lui était vraiment hyper intéressante. Ça a été un moment franchement canon, hyper riche, parce qu'il raconte plein de choses. Je jette un petit coup d'œil dans la chatroom, tiens, pour voir un peu ce qui s'y passe, et je vois qu'il y a une question de Clochard Céleste. Voilà, j'adore le pseudo. Bonjour, as-tu déjà interviewé le maestro Yngwie Malmsteen? Alors non, je n'ai jamais interviewé Yngwie, faut pas dire Yngwie, faut dire Yngwie, même si on a envie de dire Yngwie. Mais ça serait avec grand plaisir. Écoute, c'était mon 8e NAMM, je crois. Donc il y a eu des fois où on s'est retrouvé au NAMM en même temps, mais l'occasion s'est jamais présentée. Quand il faisait des tournées promo, voilà, j'ai pas eu le contact. Alors il a une réputation d'avoir un caractère bien trempé, mais enfin j'en ai fait des plus coriaces sur la chaîne guitare. Et en tout cas moi je suis hyper fan de Yngwie. Je l'ai écouté beaucoup une époque, un peu moins maintenant. Il se trouve que quand j'avais fait mon stage de 3e année d'école d'ingénieur, parce que oui je suis ingénieur à l'origine, j'avais fait un stage au Japon à Osaka, et j'étais allé voir Yngwie en concert à Osaka, voilà, d'ailleurs dans la même salle où le Made in Japan de Deep Purple a été enregistré. C'est quand même pas mal. Donc voilà, donc non, jamais eu l'occasion de faire l'interview de Yngwie. Est-ce que ça se présentera? Peut-être, on sait jamais. En tout cas, si l'occasion se présente, ça sera avec grand plaisir.
Voilà, je regarde quoi je voulais vous parler. Oui, je voulais vous parler d'une manière de naviguer sur la chaîne guitare qui est peut-être pas très très connue. Donc vous avez les articles, les tests matos, la tournée matos, etc. Et il y a une manière de savoir un peu qui sont les articles qui sont les plus consultés, qui s'appelle Top 10. Donc vous cliquez ici sur Top 10 et ça vous charge en fait un top sur 30 jours. Voilà, c'est le premier de tous les articles qui sont les plus consultés, et idem ensuite sur 7 jours, et ensuite idem sur 24 heures. Ce qui fait que si vous vous demandez, bah tiens, quels sont les gros articles qui sont les plus consultés en ce moment, bah voilà, sur le dernier mois, bah c'est la première partie de la visite du studio chez Julien Bitoun. Là, évidemment, c'est depuis une semaine, c'est pas mal les interviews avec Sylvain Luc, l'interview avec Marie-Lise Floride et Sylvain Luc, etc., qui sont remontés dans les classements. Là, si on regarde juste aujourd'hui, bah il y a visiblement, c'est le test matos de Eventide, de la Riptide Eventide par Thomas Sarodi qui a bien marché et ainsi de suite. Et vous avez le top général, donc c'est depuis que les stats existent, donc depuis des années et des années, alors qui ne bouge pas beaucoup du coup parce qu'il y a eu des millions et des millions de hits sur le site, mais ça vous donne aussi une manière de naviguer dans le site web qui peut être très intéressante. Vous avez bien sûr le robot de recherche en haut, donc par exemple si vous tapez Sylvain Luc, et si je le tape correctement, vous appuyez sur Enter, vous attendez le résultat, et ça va vous donner évidemment tous les articles où ça parle de Sylvain Luc, que vous allez pouvoir comme ça consulter. J'en fais encore un autre, tiens, je fais par exemple John Scofield, un autre géant du jazz, et bien vous allez avoir la liste de tous les articles qui parlent, où il y a John Scofield à l'intérieur. Donc par exemple, voilà, il y avait une critique d'un documentaire que je recommande d'ailleurs, qui s'appelle Inside Scofield, qui est vachement bien, une interview avec son bassiste légendaire Steve Swallow, une interview à distance, etc. Et puis toute première fois que je l'avais fait en interview, c'était à Issoudun en 2016, qui était un souvenir incroyable. Voilà, je venais tout juste de récupérer mon V-Twin avec lequel j'ai joué tout à l'heure, et c'est John Scofield qui l'a baptisé. C'est quand même classe, hein, quand même, ça. Donc voilà, et puis l'autre manière aussi de naviguer sur la chaîne guitare, c'est de cliquer sur l'annuaire. Voilà, vous cliquez sur l'annuaire, et là vous avez toute la liste de tous les gens que j'ai interviewés. Donc soit vous vous promenez comme ça, vous dites tiens, aujourd'hui je vais aller regarder qui y a dans la lettre C. Donc, et puis vous avez, bon bah voilà, Mike Campbell, Juan Carmona, Zen Carney, Alain Caron, Fred Chapelier, voilà, enfin vous avez tous ces gens là ou alors à l'intérieur de ça, si vous vous demandez, bah tiens, est-ce qu'il a interviewer un Zappa, bah vous faites Zappa et là, oh bah vous tombez sur Dweezil Zappa. Oui, j'ai interviewé Dweezil Zappa, et d'ailleurs je dois à nouveau le refaire en interview puisque je l'ai croisé au NAM. Voilà, donc tout ça pour vous dire que l'annuaire répertorie tous les gens que j'ai interviewé. Alors évidemment beaucoup les musiciens, mais vous allez retrouver là aussi les luthiers, les industriels, les fabricants de pédales, enfin tous les acteurs de la guitare que j'ai pu rencontrer. Voilà, donc c'est une autre manière de naviguer sur le site de la chaîne guitare. Je le mentionne parce que parfois, comme il y a énormément de contenu sur la chaîne guitare, hein, là je suis à un peu plus de 4000 articles, je crois, il y a 1500 interviews, des centaines et des centaines de reportages, à peu près autant de tests matos, donc énormément de contenu. Et donc parfois c'est bien d'avoir plusieurs angles comme ça, plusieurs axes pour naviguer dans un site où il y a énormément de choses comme ça. Voilà, je voulais vous parler des prochains événements guitare. Alors il y en a un où je ne vais pas aller malheureusement, mais j'y finirai bien par y aller un de ces jours. C'est les rencontres internationales de la guitare qui ont commencé ou qui commencent ce soir, voilà, du 20 au 24 mars. Donc c'est très orienté guitare classique, mais c'est aussi un peu plus ouvert avec des musiques populaires, du Venezuela, etc. Donc ça se passe à Antony, et en particulier dimanche soir, Thibaut Garcia, que j'avais déjà interviewé, le quatuor Eclipse. Voilà, donc une rencontre très guitare classique, mais la guitare classique, on aime ça aussi sur la chaîne guitare. J'en ai fait beaucoup des musiciens de guitare classique, Thibaut Garcia, Thibaut Covin, Emmanuel Rosfelder, Heike Mathison, etc.
Un autre événement dont je voulais parler, qui est cette fois début avril, c'est le dimanche 7 avril, c'est Didier Besse, qui est un excellent musicien, qui est basé à Montluçon, qui organise un concert et masterclass avec Jessie Lee and the Alchemist, donc avec l'incroyable Jessie Lee, chanteuse-guitariste, voilà, qui est très chanteuse et très guitariste, et l'incroyable Alexis Didier, qui est phénoménal en termes de guitare. Donc vous avez la possibilité d'avoir le pass masterclass plus concert, je pense que vous pouvez juste aller à la masterclass, enfin bref, ça se passe à Montluçon, vous tapez Guitartitude et vous aurez comme ça tous les détails, allez-y. En plus, non seulement les deux sont des musiciens incroyables, Jessie Lee et puis Alexis, mais ce sont aussi des musiciens qui ont l'habitude d'enseigner. Alexis, je pense que c'est encore toujours le cas, il donne des cours à l'Atlas, il a aussi donné beaucoup de masterclass, donc c'est quelqu'un qui est habitué à transmettre, à communiquer. Voilà, parce que parfois, il y a des musiciens qui sont incroyablement bons, mais qui sont absolument pas pédagogues. On fait souvent la confusion entre, parce qu'un musicien est bon, il va être bon prof, mais en fait, non, pas du tout. Il y a des musiciens très bons qui sont très mauvais professeurs, et des musiciens moyens qui peuvent être d'excellents professeurs, mais c'est pas du tout parce que vous êtes un très bon musicien que vous êtes un très bon prof. Voilà, en tout cas, là, avec Jessie et avec Alexis, vous êtes servi parce que c'est du super niveau. Et enfin, l'autre événement qui s'approche, c'est fin avril, 26, 27, 28, donc c'est le MIGS, le Montreux International Guitar Show, où j'aurai le plaisir de me retrouver à nouveau au cœur des 80 et quelques exposants, avec aussi tous les concerts, il y a des masterclass, etc. Donc, venez, si vous êtes dans le coin de Montreux, honnêtement, c'est un salon magnifique qui est très bien organisé, dans un bel endroit, au bord du lac, avec la vue sur la montagne, tout ça, c'est magnifique. Et il y a un très beau programme de concerts et compagnie. Voilà, j'avais quelques questions. Je ne sais pas si vous avez des questions sous le coude. Sinon, on va attaquer les questions, les réponses. Enfin, on va attaquer les réponses avec les questions. Enfin, vous voyez ce que j'ai voulu dire. Alors, Vincent, qui est toujours mon fan numéro 1, qui est toujours ma source inépuisable de questions. Donc, merci beaucoup, Vincent. Il m'en a posté 3. Alors, il me demande... Alors, j'ai pas du tout réfléchi à la question, d'ailleurs. Hein. Je l'ai juste recopié dans ma petite note. Quelle a été la plus belle découverte en testant du matériel pour la chaîne guitare? Ça, c'est pas facile, hein, quand même. Alors, j'essaie de me rappeler si, en termes de guitare, il y a des guitares que j'ai eu du mal à rendre. Alors, moi, je teste pas du mauvais matos. Voilà, c'est pas qu'ils m'en pensent pas entre les mains. C'est que quand... C'est déjà arrivé, mais c'est très très rare que je reçoive des guitares d'un luthier, puis bon, elle était pas terrible, donc j'ai donné mon feedback au luthier. Je vous dirai pas qui c'est, parce que, voilà, faut aider les gens à progresser. Mais j'ai pas fait de test vidéo. Donc, réciproquement, il y a des guitares parfois qui me passent entre les mains et longtemps après, je m'en rappelle. Alors, donc, il y en a deux qui me viennent en tête. Il y en a une qui est de facture industrielle, enfin, grande série. C'est une guitare de sœur. Je vais essayer de vous retrouver le test là, pendant que je vous parle. Qui m'avait été prêté par un abonné de la chaîne guitare. C'est une sœur modèle moderne, voilà, avec Floyd Rose, avec une super table magnifique, etc. Et franchement, que j'avais trouvé extraordinaire. Et je suis même passé assez proche de l'acheter. Et finalement, je ne l'ai pas acheté. Et puis évidemment, avec le temps, je regrette un petit peu. Maintenant, elle est partie ailleurs. J'ai acheté une autre sœur depuis. Mais j'avais beaucoup aimé cette guitare. Qui, bon, elle a un look très métal, très très shred, mais elle avait beaucoup de son. Elle avait beaucoup de corps. Donc ça, c'est la première guitare, je dirais, qui m'a fait une grande impression. Et l'autre guitare que j'avais gardé plusieurs mois et que j'avais eu un petit peu la larmiche à laisser partir, c'est une autre guitare électrique. C'est une Versoul, voilà, c'est un luthier finlandais. C'est la Raya 6 Custom
qui avait cette table incroyable, on dirait tellement incroyable qu'on dirait un tigre du Bengale, et cette guitare était franchement phénoménale quoi. Moi je suis hyper fan de ce luthier là qui s'appelle Karine Eminen, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, et honnêtement cette guitare m'avait laissé un souvenir terrible. Voilà, après il y en a plein d'autres, hein. Il y a eu aussi une vieille Martin des années 30, tout en acajou, que François, un backstager, m'avait prêté. Il y avait aussi une guitare archtop de Aurélien Perras, la Miss Robinson, je me rappelle, un de mes backstagers avait acheté pour une bouchée de pain d'ailleurs à une vente aux enchères. J'avais voulu après lui racheter, mais il n'avait pas voulu s'en séparer. Donc voilà, après il y en a plein comme ça. Plus récemment, tiens, on va parler des amplis. Il y a eu le F-Type qui m'a été prêté par Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe. Le F-Type de Kelt, là que j'ai trouvé terrible, quoi, avec la reverb intégrée, le son qu'on peut pousser un peu, etc. qu'on peut aller faire saturer. Là, vraiment un petit combo, le combo quasi parfait, parfait parce que petit, parfait parce que quand même assez puissant, parfait parce que la reverb intégrée, parfait parce que pas mal de réglages. C'est un monocanal, mais on peut activer le boost, enfin bref, on peut l'emmener sur des terrains où ça grogne un petit peu. J'ai vraiment beaucoup aimé cet ampli. Et au niveau des pédales, je me tourne vers mon mur de pédales pour voir s'il y a des choses particulières qui m'ont laissé une impression incroyable. Oh, il y a tellement de palettes que c'est impossible de choisir à ce niveau-là. Voilà, il y a Mathieu qui nous dit « Ouais, elle était folle. » Tu parles de la Versoul, hein, c'est ça. Je crois que tu étais passé l'essayer, Mathieu. Autre question de Vincent qui me dit « Est-ce que j'ai découvert récemment des nouvelles marques de pédales françaises ?» Bah écoute, non. Non, alors je les cherche pas particulièrement, hein. Voilà, il y a un fabricant, mais alors évidemment son nom est en train de m'échapper, que je trouve vachement bien sur Instagram. Je vais essayer de le retrouver là. Dont je connais pas du tout le travail. Ah bah si, voilà, c'est ça. Ok, voilà, c'est bien, bel et bien ça. Je vais vous l'afficher ici dans le navigateur. Je ne sais pas s'il a un site web, mais en tout cas, son adresse, c'est ça. Et j'ai aucune idée si les pédales sont bien, mais en tout cas, je les trouve super jolies et vachement chouettes. Voilà, c'est CC Effect. En plus, il est basé à Dinard, je crois, enfin en Bretagne. Et je trouve que les pédales sont canons. Voilà, il fait des pédales un peu reliquées. Alors, visiblement, c'est pas mal de drive, etc. Et je trouve le look, regardez-moi ça, c'est super bien fait. On les a même pas branchés, qu'on trouve ça bien, quoi. Voilà. Mais disons qu'en tout cas, ça, c'est une marque de pédales que j'ai découvert, je ne sais pas comment, sans doute en me promenant sur Instagram. Par contre, je connais pas. Et c'est un petit fabricant. Je l'avais contacté, je lui avais dit, bah, écoute, tiens, s'il y a une de tes pédales qui circule en test, je serais ravi de tester. Et il me disait, bah, j'en produis très très peu, etc. Je dis, bah, écoute, à l'occasion, en tout cas, l'offre est ouverte. Et je crois que c'est Geoffrey Choran, je crois que c'est sur le pédalier de Geoffrey Choran que j'ai découvert cette pédale, cette marque. Et enfin, Vincent, tu me demandes, troisième question, quelle sera la prochaine pédale qui part en tour les matos? Et ben ça, je peux même te la montrer. Et j'ai un doute sur d'où est-ce qu'il vient, mais c'est pas grave. Au moins, je vous montre la pédale. Voilà. C'est celle-là. Alors non, ce n'est pas Marlboro, je vous la montre peut-être ici, voilà, vous la verrez encore mieux, mais par contre c'est un vrai paquet de Marlboro, et je l'ai reçu l'autre jour. Alors c'est marrant parce qu'elle vient avec sa véritable boîte de cigares, voilà, hop, avec la trappe qui vient de s'ouvrir, et la pédale est à l'intérieur, et c'est une véritable boîte de cigares, hein. C'est marqué, voilà, de la Havane. Et pourquoi c'est dans une boîte à cigares? Parce que Julien, c'est ça, hein, je suis pas en train de décorcher ton prénom, il fabrique des amplis qui rentrent dans des amplis, dans des boîtes à cigares. Alors pas dans celle-là, parce que ça c'est quand même un peu petit, mais il fait des amplis à base de TSF aussi. Et là évidemment j'ai un méga trou, donc je me rappelle plus, mais je vais vite le retrouver sur Instagram pour vous le montrer. Et c'est ah voilà, The Loner Shop, voilà, je vais sur Instagram et je vais vous montrer ça tout de suite. Ça sera un peu plus clair plutôt que de vous en parler comme ça. Donc l'adresse est instagram.com, The
Loner Shop, voilà, et hop, j'ai, pour dire que je ne bidonne pas les réponses, hein, parce que je ne l'avais pas préchargé. Donc The Loner Shop, donc Julien, il fabrique des cigar box, voilà, avec visiblement beaucoup de soin. Voilà, vous voyez la pédale là, qu'il m'a envoyée ici, mais il en a fait avec d'autres paquets de clopes. Et il fabrique aussi des amplis qui montent dans des TSF, mais aussi, voilà, c'est ça dont je vous parlais, donc les amplis qui sont dans des véritables boîtes à cigares. Et de ce que m'a dit Julien, en fait, cette pédale, c'est le même circuit qu'il y a dans cet ampli, mais version pédale et pour brider un peu pour pas que ça explose votre pédalier en termes de puissance. Alors je vous la ferai écouter la semaine prochaine et j'ai trouvé vachement bien, voilà, intéressante. Bon, un switch on off, un volume, un potard qui règle le gain, voilà, pour mettre plus ou moins de gain. Et ici on a soit, alors je sais plus si c'est en haut ou en bas, mais en tout cas une plage de gain et une autre plage de gain un peu plus musclée de l'autre côté. Donc comme je connaissais pas la pédale, j'ai dit à Julien, bah écoute, envoie-moi la pédale, si elle me plaît, j'en ferai un test et je la ferai sortir en tournée matos, parce que The Loner Shop, il est abonné à la chaîne guitare. Si elle me plaît pas ou que je comprends pas comment ça marche, bah à ce moment-là, je te la renvoie, ça me permet d'éviter le problème où je reçois un matos, et bah, je trouve pas ça terrible, du coup, je suis un peu coincé. Et donc là, en tout cas, bonne nouvelle, la pédale sonne super bien, elle réagit très très bien aux pédales, aux variations de volume sur le pédalier, sur la guitare. Et bah voilà. Après, bon, moi, n'ayant jamais fumé, je suis pas hyper fan de l'iconographie, l'imagerie paquet clope, etc. Mais ça vient des smoke amp, etc. Donc je comprends l'idée. Mais de toute façon, ça sonne bien. Donc Vincent, pour répondre à ta question, ça sera cette pédale la prochaine qui partira en tournée matos. Voilà. Alors, Fred qui nous demande « Quand est-ce que je vous emmène chez Schecter ?» Ah, le petit Fred, il frétille parce que c'est un reportage que j'ai fait chez Schecter il y a quelques temps. Tu sais quoi ce que je vais faire spécialement pour toi? Je vais aller sur le site web de la chaîne guitare. Je vais précharger l'article parce que l'article, il n'est pas encore édité. Et je vais vous en montrer un petit bout. Hein. C'est pas extraordinaire, ça. Alors, faut juste que je cherche dans les articles. Et donc c'était après le NAM où j'ai contacté les gens de chez Schecter via Nick Johnston d'ailleurs, et que j'ai fait une visite du custom shop de Schecter de Los Angeles. Donc je peux vous montrer l'article, voilà, il est là. Donc ça, c'est une des photos de la visite du custom shop. Ça, c'est la visite qui est ici. Allez, on se regarde un petit bout, allez, c'est parti. C'est juste pour toi, Fred. At the top secret location of the Schecter Guitar Research Custom Shop, I am with Adam. Adam, are you still alive after the NAMM show? I avoided the NAMM show, so okay. Perfect. I'm okay. As good as it gets. Better than good. Okay. So where are we here? What is happening here in that place? So this would be the custom shop. This is where all of our USA production stuff happens. This is actually where guitars start. Okay. Boom, there you go. Yeah. So as you can see here, everything starts off as a block of wood. You have mm-hmm. different bodies here. You have some necks. Voilà, donc bien sûr, l'article sera publié très bientôt. Vous voyez qu'il y a 25 minutes, une petite demi-heure de visite. Et honnêtement, on voit plein de choses. On voit l'entrepôt, on voit la partie custom shop de chez custom shop, là où ils font les finitions. On voit aussi là où ils font le fretage. Là, par exemple, il est en train de faire le fretage d'une Nick Johnston. Après, on voit même la guitare de Prince, parce que je savais pas, mais cette guitare a été fabriquée par Schecter. Enfin bref, il y a tout plein de choses comme ça. Ça m'était une chouette rencontre. Et pour répondre à la question que tu ne m'as pas encore posée, mais à laquelle je vais répondre tout de suite, je vais te dire quand est-ce qu'il sort cet article. Parce que là, je vous ai montré la preview. Je vais pouvoir vous dire normalement quand est-ce qu'il sort. Ça sort le 3 avril. Voilà, donc dans une petite dizaine de jours, Fred, qui est donc luthier de son état, qui fait des chouettes guitares d'ailleurs, d'excellentes de guitare dans la région de Toulouse, eh bien tu sauras tout sur Schecter le 3 avril. Voilà.
Donc comme ça, tu auras eu une petite preview. Tout le monde aura une petite preview de cette visite. Et c'est d'ailleurs un des trucs que j'aime beaucoup faire. Hein. J'adore aller chez les luthiers. J'adore aller visiter les usines de guitare. En Californie, j'avais visité l'usine de chez Fender une année. J'avais fait l'usine de San Diego de Taylor Guitars. De l'autre côté de la frontière, j'étais allé visiter l'autre usine de Taylor à Tecate au Mexique. J'ai fait des visites d'usines au Japon, en République tchèque, en Espagne, voilà, enfin, donc dans pas mal d'endroits, et c'est toujours évidemment hyper intéressant de voir comment les guitares sont fabriquées. Et là, en l'occurrence, chez Schecter, bah, c'est une très belle installation. Et chose que j'ai appris pendant la visite, c'est que toutes les Schecter passe par cet endroit-là, donc y compris toute la gamme qui est fabriquée en Asie, je sais pas trop où, elle passe au contrôle qualité chez Schecter aux USA. Voire, il y a certains modèles qui sont équipés de micros américains. Voilà, j'espère que ça répondra à ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on lève la session? Moi, je suis hyper content, en tout cas, du week-end qui est en train de s'approcher gentiment, mais sûrement, puisque dimanche soir, j'ai l'immense plaisir d'aller voir donc John Mayer, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Encore une fois, un grand merci à Stéphane, je ne sais pas s'il est encore dans la chatroom, mais c'est lui qui m'a décroché deux places pour ma chérie et pour moi. Donc, c'est la première fois que John Mayer vient en France, donc voilà, je suis hyper content d'y aller. On va évidemment profiter, enfin évidemment, c'est pas évident, mais en tout cas, on va profiter de l'occasion pour les quelques backstagers qui vont aussi voir John Mayer pour se retrouver ici au showroom dimanche. Voilà, donc on va aller au resto tranquille, ensuite on revient ici au showroom histoire de discuter chiffon, que je montre un peu les dernières nouveautés que je peux avoir ici au showroom qui sont disponibles. Et ensuite on va tous ensemble, le petit groupe qu'on sera, direction Bercy, puisque moi je suis un vieux con, donc je continue de dire Bercy et non pas l'Accor Arena, donc qui est à 25 minutes d'ici en métro, pour voir John Mayer avec une première partie super intéressante qui s'appelle, c'est une artiste qui s'appelle Madison Cunningham, qui est très pop, etc., qui est vraiment vraiment chouette. Donc c'est pas une première partie bouche-trou, c'est très bien. Et puis après, et ben donc ça c'est à 19h30 et à 20h30 le concert de John Mayer. Donc là moi je suis comme un fou, voilà. Donc très content non seulement de voir John Mayer pour sa première venue en France, parce qu'il avait jamais joué en France, il a joué plusieurs fois, il est allé plusieurs fois aux États-Unis, mais jamais en France, en Angleterre. Est-ce qu'il a joué ailleurs en Europe? Je sais pas. Je sais qu'il a joué plusieurs fois au O2 Arena à Londres, mais en tout cas ailleurs sur l'Europe continentale, j'ai un doute là. En tout cas, il n'était jamais venu en France. Bref, je suis content d'aller voir John Mayer parce que je suis méga fan et parce que ça sera l'occasion de faire un nouvel événement au showroom. Ça faisait un moment que je n'avais pas organisé d'événement au showroom et c'est toujours l'occasion, voilà, de discuter encore une fois, de voir des gens ou de revoir des gens, parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient au stage Bandscamp à Burdignan. Il y a Tanguy Carleroux qui sera là, qui vient avec sa chérie. Stéphane, voilà, qui m'a eu les places. Bref, ça va être bien cool. Et Michael Meloff, Michael, tu y vas toi au... Oui, c'est ça, il va au concert. Alors, tu es le bienvenu, bien sûr, hein, au showroom mercredi, dimanche après-midi, hein, ou dimanche pour aller au resto, quoi. Voilà. Oh, Bertrand Lotto, comment est-ce qu'il va, Bertrand Lotto, qui me dit « Bonsoir Pierre, enfin arrivé, à temps pour la FAQ ». Eh bien écoute, de toute façon, il y a toujours le replay, hein. Je salue au passage tous les gens qui regardent le replay. Il y a parfois des gens qui disent « Ah tu sais, à 19h, moi le mercredi, j'ai pas le temps, mais je regarde le matin en prenant mon café, etc. » Donc si vous êtes en train de prendre votre café, eh bien prenez votre café et je vous souhaite une excellente journée. Bertrand nous dit « Oui, cette sœur est vraiment super. Valzorn a possédé deux de ce genre. J'avais vraiment aimé. » Les sœurs, c'est vraiment des super guitares. Hein. Moi, j'en ai celle que j'ai ici. C'est une guitare que vous voyez très souvent. Je vais l'attraper pour le plaisir. Bougez pas. Voilà, elle est juste ici. C'est un peu ma super strat de référence. Voilà, Sunburst, voilà, 3 tons, avec le système SSC2 que j'aime beaucoup, qui est hyper silencieux, le vibrato Goto 510, les mécaniques à blocage, voilà, le radius compensé, enfin la totale. C'est une guitare que j'aime beaucoup, et c'est marrant qu'on parle de Sœur ce soir, puisque sur le forum backstage, donc qui est un des avantages de l'abonnement, c'est de parler avec d'autres fondus de
guitare, comme on est là en train de le faire en live. J'évoquais l'idée de la faire réfine. Non pas que je la trouve moche, parce qu'honnêtement, regardez, le grain du bois est magnifique. Je vous la montre par cette caméra. Regardez, c'est quand même très très beau. Le grain du bois du corps est splendide. Mais peut-être pour lui faire un refine plus vintage, en nitro, etc. Parce que là, c'est clairement du PU, mais c'est très bien fait. Regardez, on se voit dedans, c'est magnifique. Et en fait, à la réflexion, je pense que je vais la garder comme ça, parce que c'est une super strat moderne, donc elle a une finition moderne, donc tout va bien. Voilà. Donc, mais c'était intéressant d'avoir le débat qu'on a eu hier dans la journée sur le groupe Backstage, sur le groupe Facebook réservé aux abonnés. Voilà, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je crois qu'on va lever la session pour ce soir. Donc merci beaucoup d'avoir regardé ce live. N'hésitez pas, si vous regardez ça en replay, à vous mettez le pouce, la cloche, vous abonnez, tout ça. Vous envoyez ça à tous vos copains, tous vos collègues de bureau, toute votre famille. Et si vous avez des questions, commentaires, suggestions, bah, n'hésitez pas à les poser. Je passe au travers de tous les commentaires et j'y réponds. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup à ceux d'entre vous qui m'écoutent via le podcast, qui est toujours disponible sur toutes les plateformes, donc Spotify, Apple Podcast, etc., ou via une application de podcast. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous fais des grosses bises, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la FAQ. Bien sûr, on fera le débrief de ce concert de John Mayer. Allez, ciao, bye bye.